Bonjour, nous voilà à 4 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. C'est la période décisive où beaucoup de choses vont se passer. La preuve, je vous donne 2 informations. La première, les instituts de sondage annoncent un niveau d'abstention très élevé, inédit pour ce type d'élection. 1 électeur sur 3 inscrit sur les listes électorales ne veut pas ou n'est pas sûr d'aller voter. Il faut donc aller les rencontrer, échanger, discuter, pour leur dire qu'il y a nécessité, dans le climat politique aujourd'hui, à prendre notre avenir en main. Autre chiffre, 1 électeur sur 2, à 1 mois de ce vote, est indécis, n'a pas fait le choix de son bulletin de vote. Et si la prochaine surprise de la vie politique nationale était du côté de ceux qui ne renoncent à rien, qui défendent un projet de société pour l'émancipation, pour l'égalité, pour la solidarité, pour justement renverser la table de cette 5e République et aller vers la 6e République que nous souhaitons tous. Et si la surprise venait du score de Jean-Luc Mélenchon, venait du fait que dans les urnes résonne, lorsque nous dépouillons le 23 avril, la belle nouvelle à laquelle nous travaillons et pour laquelle il y a dans le pays une vraie dynamique aujourd'hui. Nous souhaitons par ailleurs un total des voix de gauche le plus élevé possible parce que cela comptera pour le rapport de force à venir, cela comptera pour les élections législatives. Pour ces élections législatives, nous proposons un pacte de majorité à gauche. La semaine dernière, je vous parlais depuis le Béarn d'emploi industriel, de politique industrielle. Il en sera question à l'initiative du Parti communiste français lors d'une rencontre débat qui se tiendra mercredi dans l'Isère. Nous le voyons, il faut des solutions, des idées précises. J'attire votre attention sur l'enquête publiée dans le journal L'Humanité lundi concernant l'évasion fiscale des grandes banques européennes, dont les banques françaises. Cette enquête a été réalisée par l'ONG Oxfam. Elle va faire beaucoup parler d'elle, puisque pour la première fois, c'était un gros travail de compilation de données. Il est révélé que 26% des bénéfices de ces banques sont réalisés dans les paradis fiscaux, alors qu'ils n'y emploient que 7% de leurs salariés. Là encore, le pacte de majorité à gauche devra passer par la création d'un pôle bancaire public pour une nationalisation de la BNP et de la Société Générale, qui sont les deux réseaux privés qui ont le plus d'influence, et pour une COP fiscale. Je veux terminer cette vidéo au nom du Parti communiste français, de sa direction, ses militants, en adressant un salut fraternel, un message de solidarité aux femmes et aux hommes qui luttent en Guyane avec ce mouvement social de très grande ampleur. Ils demandent simplement, ils ne demandent plus à être gentiment écoutés, ils veulent des réponses sur les enjeux concernant le développement économique et l'emploi, des réponses pour l'éducation, la santé, des réponses pour la sécurité. Nous leur adressons depuis ce bistrot parisien un salut fraternel.